fait. Alors... Julien n'est plus avec lui. Hein? Le gars qui était venu là, mais comment on l'appelait encore J'ai oublié son nom. Il est qui là? Un gars calme comme ça là. Celui qui t'avait envoyé ta voiture là. Ouais, la voiture est venue là-bas cabossée. Il y a les points avec lui, il a confisqué les documents de la voiture. Et lui ne sait pas que c'est contre la loi. Que tu l'amènes dans un bon tribunal là, il va être en difficulté. Il amène la voiture cabossée parce qu'il n'a pas bien gardé la voiture. Arrivé là-bas, quand ils sont en train de descendre la voiture tombe. Ça tombe comme ça là, un côté, tu vois un peu là. Il te dit que Asia, que les fils étaient. Si c'est les fils, c'est les attaches, comme vous appelez, a été rouillé ou bien. Ça fait comment? Je dis que papa, tu m'as dit ici que l'argent que je paye là, c'est pour que ma voiture arrive en bon état. Parce que tout ce qui va se passer là-bas, ce sera toi qui seras responsable. Maintenant, tu commences à dire que c'est la chance, c'est pas la malchance. Qu'est-ce que ça a à voir dedans? Je dis que non, je te paye pas les 500 000 là. Qui restait pour le c'est le transport, c'est le déploiement. Regarde, okay, j'ai gardé le document du véhicule. La carte grise, il a pris la garde, le truc là. Et j'avais déjà mis son nom déjà bas. La partie d'ici. Parce qu'il m'a dit que si faire comme ça, ouais, tu vas payer les frais de transfert, mon cher, c'est bon. Mais, Jabba comme Jabba, ça. Oui. Tu sais, moi, on appelle la voiture là-bas. Mmh. Jabba, il a une Kia. Je sais pas si c'est une Kia ou c'est quoi. Non, Hyundai. Okay. Il a une Hyundai comme ça. Et puis, il a la voiture là, la Toyota, machin là. Quelle ils ont aussi, non, ça, les frères des États-Unis là. Ah. Ils ont fait tout aux États-Unis. Alexis était sorti sur ça. Ah, c'est un bâtiment, ça avait le dernier là. Ouais. Ils sont arrivés là-bas, Jabba, la manière dont ça a été géré là-bas au départ là, là papi, Alessia a dit que lui sort sur ça, donc il a été bel là, le petit a vu en ce soir, il est resté seul. Ouais. Voilà. Jabba tourne avec. On voit l'autre, c'est déjà Jabba que Jabba doit aller faire le petit avis, il doit aller. Il a dit qu'il met ça en location, ouais. Oui, oui. Là, Jabba a pris pour changer le volant. Problème. Il a payé un jour, le jour a chopé les deux, il a disparu. Il a disparu, fait moins cher. Le problème en Afrique, ouais. Les choses ne sont pas faites parce qu'ils vont chercher des gens qui font moins cher, ouais. Et ça les cale au cou. Ouais. Tu as une société normale là, tu payes. Et peut-être 100 000 de plus ou bien 50 000 de plus, je sais pas. Il a chopé les deux, entre dans la voiture et couché là-bas. Quand maintenant il réussit à changer ça, sur les pièces du véhicule, rien. Mais Jabba va demander au gars là, les pièces du véhicule. Ah, Jabba, comme le gars là, il avait géré avec quelques biens là. Combien de miles? 54. Ah, ok, donc. Je fais bien là, comme Jabba, lui, le gars, il avait compris le problème de Jabba. Jabba, tu le gères au bar. Ouais. Jabba devient ton ami. Et Jabba est devenu mon ennemi. Il a réussi à convertir mon frère en ennemi, quoi. C'est vraiment parce qu'il a donné deux biens, trois biens. Jabba me dit que, gars, il faut que tu donnes les dos, gars. Si tu donnes les dos. Donner quel dos? Tu as vu l'état de la voiture là. Mais tu sais de quoi? C'est le problème d'appréciation. Non, il n'y a qu'un rétroviseur cassé là. Mais même le rétroviseur ne paye pas. 50 000, il ne paye pas. Mon frère, j'envoie donc quelqu'un d'autre indépendant d'aller faire la vidéo. Gars, je regarde la voiture, je ne reconnais pas la voiture. Je dis, mais attends. Ça, c'est quelle histoire, ça? Tu m'as dit, non, non, non. Elle est neuve, elle est... Tu connais les voitures? Une voiture nouveau Cameroun, mon frère. Tu sais, là, ça prend 3 mois. On te moto, on te cabosse, ça va. Je ne sais pas comment... J'ai dit que les gens que... J'ai connu la voiture. Maintenant, les gens ne descendent même plus. La voiture, quand elle descend, la voiture, boum. Tu c'est normal. C'est normal. Tu regardes plus que tu regardes même... Ça te casse même le... L'autre viseur. C'est normal. Il va payer 50 000. Donc... Jabba a laissé le gars comme ça, le gars est resté avec le document. Il a failli sortir encore de l'argent pour aller faire des documents là, au bureau de transport là-bas. Il a finalement fait les documents là.
récemment. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle fait quoi avec? En mai. Fais le transfert. Elle est couchée là, on appelle ça tête de cochon. Et les gars ont surnommé la voiture. Il dit que celle-ci là, c'est la tête de cochon de Jabba. Tête de cochon. Il y a les gens qu'on a vendu ici sur terre. Je suis au Cameroun, mon frère. Je ne suis pas entré dans la voiture que moi-même j'ai envoyé. J'ai même une fois. Je la vois là, je filme avec mes yeux. On irait voir la voiture de Jabba là-bas. Ah. Ah. Tête de cochon. Alors ici, il mettait la voiture là, il exploitait la voiture. Ouais. Il a deux foyers, man, d'agir. Il n'allait pas être. Il prend les gars, location, vend dans les hôtels là. Mm-hmm. La voiture était bien. Il a même refait, on a même refait la peinture, on a refait la purée. Il prend ça quand il va aller impressionner ses petites quelque part. Ah non. Pas les gérer là-bas un coup. Quand il y a une panne, il vient gratter quelqu'un. Quand il y a une panne, il prend un gars ça là. Ouais. Quand tu l'appelles, tu dis que gars, la voiture, essaye pas d'avoir ta voiture, ou bien essaye de la voiture à l'un de mes amis ici, comme ça là, gars. La voiture là, le problème de frein, hein. Il y a même, ça a besoin d'une roue là, parce qu'il y a l'autre roue là qui est plate. Hein? Ou la clim ne donne pas, hein. La clim est finie. Hein? Le gaz est fini. Ouais, le gaz est fini, il faut le mettre. Il est toujours avec Panda. Hein? Ah. Il a signé l'Indien là-bas. Il a signé l'Indien là-bas. On avait dit qu'on doit lui signer un petit terrain. Si on achète le terrain du coup. Donc on va lui céder un petit terrain là-bas, il va se construire. Oui, il va se construire aussi. Ah. Et ton truc à PK9 là? Que Jabba avait pris tout là. Il y a des problèmes tout le temps. Mais j'ai enlevé le stress là souvent parce que j'ai donné ça à quelqu'un de chez moi. Ah bon, hein? Ouais, j'ai enlevé le stress, ça me fatigue. Ça paye? Ça paye tant que. Non, ça paye quand même. Il y a des travaux tout le temps. Il y a un problème de fosse septique là-bas. Dont la fosse se remplit d'eau. On ne sait pas où Jabba n'avait pas bien fait le sol là. Donc apparemment l'eau. Sort. Peut-être du sol, je ne sais pas. Elle n'a pas bien fait. Quand si c'est un endroit qui est un peu humide. C'est ça qui me surprend un peu, mais parce que c'est un endroit qui est quand même un peu en haut là, je sais pas, bon, I don't understand. Bon. Il y a une rivière, il y a une rigole qui est en bas là-bas, mais l'endroit est vraiment en haut. Quand il tourne la voiture là, comme ça là, c'est combien? C'est 300 livres. Merde. Oui. Ah bon? Tu n'as pas de machin, eux ils t'enlèvent la garde. Je ne sais pas, mais c'est ce que j'avais appris. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est genre à quoi tu vois les trucs. Ils sont pas quand même comme les gens du pays qui démarrent le top. Oui, j'ai appris que quand tu as le AA sur une voiture, tu peux appeler ça quand tu as conduit la voiture de quelqu'un d'autre, c'est ça? Tu peux appeler ça. Transférer. Si tu es en train de conduire la voiture de quelqu'un d'autre. Donc si toi tu conduis pas ma voiture. Si je conduis ta voiture, moi je n'ai pas le EE, j'ai Uber. EE sous Uber. Uh-huh. Donc il faut que ce soit une voiture enregistrée dans Uber. Ah ok. Voilà. Mais aujourd'hui, quand tu as le EE, mm-hmm. et que tu conduis la voiture de quelqu'un, mm-hmm. tu peux appeler le EE. Ouais ouais. Tu comprends. Ce sont les choses qu'on dit souvent que gars, ça sert à quoi de payer, mais parfois là, quand tu es pressé, c'est là où tu comprends. Tu dis que, ah ça. Rappelle-toi la nuit où tu es venu me prendre sur la rue de Lille là. Ouais. Tu
tu te rappelles la nuit là? Le client est allé là-bas. Il est allé là, il était sorti un kata. il dit que tu n'as pas déposé à domicile. Pas déposé à domicile. Il veut payer la moitié. Hein. Mm-hmm. Les escrocs. Maintenant, ils ont un système avec Uber. Puisqu'ils ne peuvent pas fuir avec ton argent. Mais Uber, tu payes online. Qu'est-ce qu'ils font? Tu prends quelqu'un, son ça c'est peut-être 25, tu prends peut-être Piccadilly pour acheter. Il va le travail 25 000. Quand vous arrivez là au niveau des city, il cancelle le travail. Tu comprends un peu? Mm-hmm. Lui, il cancelle le job. Toi, tu continues. Ouh, tu as seulement senti que eux en train de te donner d'autres boulots. Pendant que toi, tu es au boulot, tu ne comprends pas. Tu comprends, non? Mm-hmm. Tu l'amènes à destination. Ou bien le chargeur seulement de Piccadilly jusqu'au stade de city. Toi, tu es avec lui. L'autre jour, donc, quelqu'un m'a fait ça. La chance que j'ai eue, c'est que quand il a cancellé, j'ai regardé mon téléphone comme ça et puis je veux regarder bien. Uber a entré dans notre boulot directement. Ma main a accepté le boulot alors que tu comprends un peu. Puis il a dit non, ça, ça se fait pas. Je ne peux pas accepter un boulot pendant que l'autre est on. Mm-hmm. Tu vois, tu vas voir le boulot venir là, mais même si tu essaies d'accepter, ça ne va pas. Mm-hmm. Voilà, parce que tu es en plein boulot. Wow. Mon frère, c'est là qu'il demande au gars comment sortir les yeux. Je prends mon titre, j'appelle Uber, il dit que non, laissez-le là où il est là. C'est sa destination. J'ai dit, monsieur, je n'ai pas, j'ai dit, mais c'est les dehors rapidement. Rapidement. Laissez-le là où il est là. Uber lui a dit que non, il a arrêté son boulot, ça veut dire qu'il est arrivé à destination. Tu comprends un peu? Ouais. Tu dois le déposer, prendre un autre client. S'il veut un autre taxi, il va book encore notre Uber. Mm-hmm. Le gars a compris comme ça que je suis en train de. Je suis perdant. Il est jeté dehors comme un sac de manteau. Et tu ne veux pas sortir. Et comment il ne va pas vouloir sortir? Il y a eu souvent les vidéos des Uber drivers qui sont en bagarre avec les clients. Il ne va pas sortir, pas tranquillement. Je conduis jusqu'au poste de police. Mais tu as la vidéo quand même, non? Oui, non. Tu conduis jusqu'au poste de police. Quand tu arrives à voir, Uber le charge jusqu'à le transfert du poste de police. De le temps que ça te prend. J'ai remarqué que les Chinois ont pris tous les têtes courues qui existent dans la mer. Les gars là sont forts. Eux se sont réunis, ils sont venus là comme des fourmis, ils ont tout ramassé. Tout le monde mange chinois maintenant. Ouais. Les gars ont tout ramassé. J'ai dit que merde. En fait, je n'ai pas réalisé. Je n'ai pas vu cette transformation. Tu as seulement vu ça. J'ai vu ça pour ça. Je dis que mais attends. Tu vas en Boston, Chinese. Ouais. Tu vas là-bas, Chinese. Donc, en fait, il y a que ça. Et ils sont venus, ils ont dû donner les gros bombes d'argent aux Kessala. Les Kessala leur ont donné ça. Là, gars, nous, on est fatigués d'affaires ici. Gérer ça. Gars. Et eux, ils vont se faire un bon dollar dedans. Pourquoi? Parce que les gars, eux, ils les déclarent que ceux qui passent par la carte, ceux qui ont fait en online, machin. Le reste, là, on s'en fout. Ils disent partout, ils ont le même système. Ils ont fait une université pour ça. Les gars ont le même système partout. Donc, on les accepte cash hier. Mais ils prennent les ordres online. Yeah. C'est ceux-là qu'on déclare. Le reste, là, ça part en Chine. Le reste, l'argent, ça part en Chine comme les Chinois qui sont là-bas au Cameroun. Les gars, là, grâce les dos. Je suis en train d'un magasin chinois, je vois mal les gars compter des millions. Par jour. Merde, par jour. Ouais. Ils payent bien ces 300 000 d'impôts l'année. Ouais. C'est pas possible. Comment ça? 300 000 d'impôts, tu vois là l'impôt libre, combien c'est l'impôt libre? Aïe! C'est la loi. La loi dit que quoi? Quand on connaît, il y a pas combien de millions il faut? On les a suppliés de venir investir au Cameroun. Mais les gars ont coupé le middleman. Mais c'est ça. C'est pas le dire, non? C'est bête que tu fasses entrer des gens comme ça dans ton pays pour des boulots que tes gens même peuvent faire. Chine pour encourager les Chinois, à un moment, n'avaient même pas besoin de visa pour venir au Cameroun. Tu comprends un peu? Ouais. Il a supprimé beaucoup, beaucoup de trucs pour dire qu'on a venu investir.